des Briennes, le club des Orchidées de Boisnon, l'Association française pour la culture et la promotion des Orchidées, la Société française d'orchidophilie et l'Association Orchidées 59. Ils ont participé depuis très longtemps avec beaucoup de bonne humeur et nous les remercions. Au club Tipe Bana et Marie-Christine Tranchant pour le prêt du matériel, à tous les exposants pour leur présence et à M. Théo Vreudge et Didier Baoul pour la participation au jury. Maintenant, nous allons remercier nos partenaires. Donc, on commence par le Crédit Agricole Nord de France. Alors là, ils sont en renfort. Il y a M. Bertrand Deltour, M. Pierre-Yves Collard, M. Pacori, M. Virbisky, M. Graziani, M. Anglot pour la promotion de notre exposition. Et ils recevront lors d'une soirée privée vendredi soir. Ils nous ont fait des superbes invitations et des superbes affiches que vous avez pu voir. À toute l'équipe de WEO, la Voix du Nord et France Bleu Nord pour la promotion de l'événement. À M. Jean-François Sailly, la société SJF pour la logistique technique. Nous remercions aussi vivement, c'est M. Marcel Duchemin. Et les maires de Véro des Vignes pour son soutien depuis plus de 25 ans. Je vous Marcel, à Marcel. Monte sur l'estrade, Marcel. Si, si, si. Marcel, en fait, c'est son anniversaire. Vous pouvez l'imaginer parce qu'il y a pas mal de couronnes partout. Et le royaume de Thaïlande est mis à l'honneur avec les autres royaumes de la Belgique, en passant par le Bhoutan, le Lesotho. La question, c'est savoir où est le Lesotho, mais je suis sûre que vous allez y répondre. En passant par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, en Europe, vous pourrez voyager au fil de cette exposition. Après quelques recherches, le Royaume-Uni, avec tous les membres, les pays membres du Commonwealth, était l'un des plus vastes royaumes qui existent. Et le plus surprenant étant le royaume de Swaziland, parce que son régime matrimonial est très très favorable aux messieurs, et il a le droit à plus de 14 femmes, monsieur le roi de Swaziland. Bon, ben, bien sûr, c'est une plaisanterie, hein. Le monde évolue, mais la royauté veut toujours rêver. Bonjour. En effet, aujourd'hui, je prononce le discours à la place de M. Chimano, notre ambassadeur qui a malheureusement attendu à Paris à cause d'un empêchement important. Monsieur le maire de Réalu de Vigne, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Cambrai et de la ville de Cambrai, Monsieur le président de l'association des amis de l'abbé de Bruxelles, madame la directrice, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'être invité à présider aujourd'hui l'inauguration de la 24e exposition internationale d'orchidées. J'ai appris que les éditions précédentes de l'exposition ont rencontré un grand succès, avec de nombreux visiteurs, et je tiens à féliciter les organisateurs. Cette année, le thème « Reine orchidée » de l'exposition me fait penser aux améliorations des espèces orchidées en Thaïlande. Des orchidées remarquables sont nommées d'après les membres de la famille royale, tels que les Catria Queen Sirikit, les sabots de Vénus, Princesse Sangwan, les Cylindonia, les Phaleonopsis, Princesse Chulabon, les Dendrobium, Somsavali. Dans le passé, les forêts thaïlandaises recensent plus de 1000 espèces orchidées. L'environnement naturel de la Thaïlande est propice à la croissance de ces plantes. La culture des orchidées s'est développée vers 1950. En 1958, l'université Kasesa a donné pour la première fois des cours sur les orchidées. Et en 1966, sur la culture des orchidées pour la fleur coupée, les fleurs orchidées sont exportées à l'étranger et les orchidées constituent l'un des plus importants végétaux exportés par la Thaïlande. Quand on parle de Thaïlande, cela peut vous évoquer la gastronomie et la culture thaïlandaise nationale, les salutations à main jointe, l'architecture des maisons traditionnelles, la musique, les spectacles, les sports, les divertissements régionaux. Le meilleur moyen pour connaître cette particularité thaïlandaise est de faire un voyage en Thaïlande. Malgré la situation politique actuelle, grâce à la patience, il n'y a pas eu de violence. La Thaïlande traverse de temps à autre des crises politiques, mais grâce à sa flexibilité, elle s'en remet très vite.